Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Foundation. Donc on en était arrivé à un point où on allait crever la dalle. Je produis pas assez de pain, je produis pas assez de baies. Donc mes villageois vont crever de faim. Donc c'est un peu la merde là. Clairement, c'est la merde. J'ai construit une autre boulangerie, j'ai une seule personne qui est sans emploi, je crois que je peux en affecter un autre. Ah non, c'est deux boulangers, donc j'ai mes deux boulangeries. Ici, aucun champ de culture défini. Ok, on va définir des champs pour cette nouvelle ferme, puisque j'ai construit une autre ferme du coup. Hop, qu'on va mettre ici. Hop, voilà, c'est pas mal comme ça. Moi je pense qu'on est bien là. Hop, ok. Je vais peut-être réduire un peu des transporteurs à certains endroits, je ne sais pas. J'ai augmenté ma production de vêtements aussi, ça va, ça commence à monter, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le bois ça remonte aussi. Je crois qu'on va acheter du pain. Je crois qu'on va acheter du pain. Hein. Je sais pas quand est-ce que ça va le ramener, mais il faut qu'on en achète. Vraiment, pour en avoir au moins 145. Hop, pour le moment, hein, tant qu'on est un peu dans la merde là. D'ailleurs, mon or monte beaucoup et je ne sais que faire de cet or. J'ai construit des trucs là-bas. Ah oui, eux ils étaient pas contents parce que ils ont pas de logement proche de leur travail. Donc on va peut-être construire un petit village ici, je ne sais pas. Ça me paraît un petit peu compromis. J'avais pas des mines plus proches là, non. Si, ici ça aurait été plus près. Ici ça aurait été clairement plus près. Je crois qu'on va envoyer le bailli prospecter ici. Et on va détruire les mines là pour les construire là. Puisque là je vais avoir des habitations après ici. Puisque là, tout ça, on va l'extraire, ce bois-là. Tout ça va disparaître. Tout ce bois va disparaître. Et ici, on va avoir un quartier d'habitation. Hop. J'ai clairement pas assez de personnes chez moi. Là, ce sera tout un quartier d'habitation. Je vais laisser de la place là parce que j'ai envie d'agrandir mon église. Donc là quand ils auront coupé le bois, boum, ils construiront des maisons à la place. Clac. Hop. Tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Voilà. Là, le problème c'est de la désirabilité ici. Peut-être qu'il faut que je plante des arbres, des fleurs, des trucs comme ça. C'est le marché qui est trop loin, c'est ça. Je pense que là on a clairement pas besoin d'autant de marché, d'autant de d'étal. Bon, elle déjà on va la barrer. Est-ce que je peux le détruire le module directement? Boum, supprimer, voilà. Donc du coup on va supprimer ce machin là aussi si on peut. Je pense que là on a besoin que d'un truc de pain. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Là, on va faire un seul truc de nourriture, un seul truc de vêtements. Il y a le poisson aussi. Étal de nourriture, hop, on démolit. Étal de nourriture, j'en ai beaucoup trop. J'arrive même plus à voir ce que j'ai. Alors, j'aurais pas dû faire un truc si grand. C'était une erreur, je pense. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, hop, on va la détruire aussi. Tac.
Celle-ci, c'est laquelle? On va en garder. On va garder celle-là, là. Ouais, celle-là, elle est bien. Celle-là aussi. Ensuite, celle-ci aussi, elle est bien. Lui, il vend du poisson, c'est bien aussi. Lui, il vend du pain, on va le laisser aussi, je pense. On va faire deux, on va laisser deux pains. Ça, c'est inutilisé. On va le détruire. Ça, on a dit qu'on le gardait. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là, on le détruit. Hop. Ça, c'est quoi? C'est un banc, on s'en fout. Alors, ça, on peut détruire. Supprimer. Voilà, ça revient au début à chaque fois. Les tonneaux, on va les laisser. Ça, on va laisser, on va laisser. Ça, on détruit. Ça n'a rien à faire là. J'ai plus rien là-bas non plus. Sur les tentes bleues là. On va détruire toutes les tentes bleues alors. Tente bleue, détruire, supprimer. Tente bleue, supprimer. Ça on peut le détruire aussi, c'était. Tente bleue, supprimer. Bon, le reste on va le laisser comme ça. Hein. C'est pas terrible, mais bon, tant pis. Et donc là, on est pas mal en résidentiel, toujours ici, ça ne change rien. Voilà. Et avec ça, on devrait s'en sortir. De toute façon, puisqu'on a deux vendeurs de pain, un vendeur de baies, un vendeur de poissons. Et voilà, donc là, j'ai dû me libérer un peu de... J'ai des sans-emploi, pas tant que ça. Teneur de marché. Possible de trouver un lieu de travail. Oui, bah, de toute façon, je peux lui enlever son métier, oui, comme ça, très bien. Ok. Donc j'en ai 3. Pourtant, j'en ai viré plus que ça, mais bon. On verra plus tard. Ça, production. Là, l'église, est-ce que je l'agrandis tout de suite? Attendez, on va faire un truc. On va acheter ça, ça, ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. L'église, est-ce qu'on va l'agrandir? Oui. Hop. Pareil, là, j'en ai trop, là, je pense, des étals. Inutilisé. J'en ai un qui est inutilisé, c'est vrai que je le garde. De nourriture. Peut-être qu'après on va la garder pour le moment. Hein? Pareil là-bas j'aurais peut-être pas dû les détruire. C'est pas grave. Parce qu'après j'aurai d'autres trucs de nourriture peut-être à vendre. C'est pas grave. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un autre marché par ici. Histoire de booster l'attractivité des gens ici. Alors. Le moulin est terminé, parfait. Donc là, je vais infecter des gens à ça et à ça. Ok. Là, j'en ai pas qui ont... Si, voilà, c'est ce qui me semblait. Meunier. Comment ça? Ok, c'est bon. Donc, okay, je vais avoir deux nouveaux villageois. Ok, donc le pain commence à remonter, c'est bien, hein, les baies, c'est toujours stable. On va peut-être faire un autre truc de ramassage de baies ici, par là, là, je pense. Oui, eh bien je sais qu'il y a des villageois qui manquent d'espace. Donc on va faire. On a dit. Pardon. Pardon. Je la vois un peu enrouée ce soir. Attendez, je suis fatigué. C'est pas là-dedans?
Un marché, voilà, c'était pas ici. Le marché, on va le faire, disons, par ici, là, en face du pont. Même carrément vers le pont, là, ici, là. Paf. Paf, par là, voilà. Donc, on va faire une étale de nourriture. Ouais, dans ce sens-là, allez, hop. Une étale de nourriture ici, deux étales de nourriture. Là, plutôt. Et une étale de marchandises. Non. Non! Ah! Ouais, remarque comme ça. Ouais, non, mais j'aime pas comme ça en fait. Je préfère quand c'est comme ça. Pouf. Clac. Comme ça, on peut faire un truc rouge, un truc bleu et un truc vert. C'est marrant, c'est mignon. On fait un petit tonneau là. On verra après les décos. On verra après les décos. Comment c'est la construction? Pourquoi je ne peux pas commencer la construction? Comment c'est la construction? Voilà. Bouya. Comme ça, on va pouvoir peupler ici. Et attirer du monde surtout. Ça, on va annuler la construction. Je peux encore? Oui. Construction terminée, gisement de fer. Ah oui, j'en avais construit un deuxième. J'ai pas besoin de fer pour le moment. Pour le moment, j'ai besoin de remonter ma bouffe vraiment beaucoup. Oh là là, je suis en déficit là. Oh là là. Budget. Quelle horreur. Quelle horreur. Commerce. Non, je ne veux pas acheter de pain du tout. Il faut que je vende des trucs, hein. J'en ai combien de pierres polies? 168. Ouais, on va les vendre. Est-ce que j'ai des villes qui m'achètent la pierre polie au moins? Oui, elle m'achète la pierre polie. Le tissu, est-ce qu'il y en a qui m'achètent du tissu? Non, du tout. Pas du tout, par contre des vêtements. Mais les vêtements, j'en ai vraiment besoin. Oh, la laine, j'en ai en bloc. Laine, tissu, ça y va. Je pense que je peux construire un autre tailleur sans problème. Sans problème. Le poisson, c'est pas ouf non plus. C'est la bouffe le problème. C'est vraiment la bouffe le problème. Bon, la bouffe. Donc là, on a augmenté la production de blé. Normalement, on va augmenter aussi la production de farine. Mais en même temps, il fait pas beau. Donc ça veut dire qu'on produit moins. Je peux aussi me construire une autre boulangerie, du coup, à mon avis. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va la mettre. Ah merde, mais ici j'ai mes champs. Où c'est qu'on va la mettre, la boulangerie? Ça n'entache pas ma... mon attrait pour les maisons. Donc on va la faire par ici. Attends, il faudrait que je vois. Ça s'arrête ici, là. Ok, donc on va faire la boulangerie par là. Boulangerie ici. Comme ça. Clac. Hop. On priorise. Et on va y mettre des gens dedans. Je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Je perds beaucoup, beaucoup d'argent. Oi, oi, oi.
promotion disponible. Bon, on va attendre. Je voulais juste voir. Ah oui, mes gars sont tous serres déjà. Nouveaux besoins, oui, mais. Le problème, c'est que eux, leurs besoins, je ne peux pas les satisfaire. Ah si, bah si. Je peux en promouvoir des serres. Hop. Et les roturiers, ils ont besoin de vêtements, de nourriture. Ah oui, donc ils peuvent manger du poisson aussi. Poisson, pain, baie. Ok. Donc il faut que je produise de la nourriture. Ça remonte, hein. On va produire du poisson aussi, je pense. On va produire du poisson. Parce que les cabanes de pêcheurs, il n'y a besoin que d'un gars dedans et ça produit. Donc on va aussi construire une cabane de pêcheurs. Comment j'ai fait pour construire ça, moi, à un moment? Je ne sais pas, peu importe. Alors, ah oui, il va me falloir un puits. Genre, par ici. Clac. Un petit puits par là. Un autre puits par ici. Hop. Ça, c'est un truc que j'ai oublié. Là-bas, je pense que j'en ai pas. J'avais pas une maison ici. Elle est en train de se moderniser, peut-être. Ok, donc un puits. Puits, on va le faire. Ah oui. Ça se modernise, effectivement. Le puits, on va le faire par là. Hop. Ok. Eux, ils ont un puits. Ouais, ici. Ok. Faut vite que je... Promotion, on s'en fout. Est-ce que j'ai pas mes soldats aussi? Ils sont où mes soldats? Ils sont tous là. Ok, formés partiellement. Comment ça, formés partiellement? Ils étaient formés eux pourtant. Lui aussi. Alors, force 10. Donc on va envoyer, on va accepter une mission. Ok. Donc on a Malherbe, j'ai vu, à envoyer, qui sont armés. Armanduccio, Alouf, Alulf et Lucina. Alors, Armanduccio, Alulf et Lucina. Lucina plutôt. Et enfin, Fadric. Allez, on envoie Fadric. Boum, envoyé. Ça rapporte de l'or un peu ça, hein. Qu'on les envoie. Ok. Ici mon petit fort là. Ensuite, oh le pain il est très très bas. Ils bouffent tous beaucoup de pain. Qui est échoué? Comment ça qui est échoué? Ah ouais les baies, je sais pas pourquoi je pouvais pas les livrer les baies. Je ne sais pas. Un émissaire requiert votre audience. Qu'est-ce qu'il veut? Lui livrer du pain. Pourquoi je ne peux pas livrer de pain? C'est pareil, je comprends pas. C'est en rouge. Ah, peut-être que j'en ai pas assez. Justement, il m'en faudrait plus. Je garde tout. Ah non, je vais pas livrer de la bouffe pour le moment en plus. Hein. Désolé, mon gars. Bon, faut qu'il se dépêche à construire ça, là. Ce serait bien ça, les étals là. Hop, hop, hop. Alors, combien... Est-ce que j'en ai beaucoup, là? Des sans-emploi, 2. 2, 2, 2. Promotion, on verra vraiment plus tard. Ok, là, de toute façon, ils doivent acheter leur truc. Pareil, punaise, tout ce que je perds en or, là. Bon, j'arrive à être... juste, quand même, hein. La boulangerie, là, faut se dépêcher à la... Et ils plantent pas plus de blé que ça? Ah si. Ok. Il va où, lui? C'est quoi, c'est un bûcheron, ça, non?
Ouais, il manque de nourriture. Hein. Bûcheron. Le bûcheron, il doit couper du bois là-bas, je suppose. Extraction. Ouais, bah, il n'y a plus rien à extraire là-bas. Maintenant, faut aller extraire ici et là-bas, s'il vous plaît. Voilà, les bûcherons, là. Bûcheronner, les bûcherons. Construction terminée d'un puits, on s'en fout. Construire une église. Mais c'est fait, ça, non? Elle est construite, mon église. Comment je sors de là? Là. Elle est construite, mon église, là. Général. Non, qu'est-ce qui manque? Ah, le clocher est pas fini? Ah bon? Clocher. Pierre polie. C'est quoi ce bordel? Prioriser la construction. Non, c'est ça qui est pas fini. C'est le module, là. Oui, voilà. Mais le clocher, il est terminé. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Un nouveau villageois est arrivé. Oui, c'est bon, je me rends flou. Je me rends flou, ça c'est bien. Par contre, là, je voudrais que ça me priorise ce truc-là. Dépêchez-vous. Allez, là, j'ai une étale de nourriture. Donc là, pareil, du coup, on va pouvoir... Utiliser. On va pouvoir vendre des baies, du pain et des vêtements. Par contre, j'ai personne dessus, donc on va assigner des gens. Voilà. Comme ça, on a notre petit marché là qui commence à se faire ici. Dans lequel on va devoir laisser un peu de place quand même. Parce que si mon marché doit s'agrandir... le fort ici, on va peut-être garder un peu de place aussi s'il doit s'agrandir. Comme ça, le marché s'agrandira par là. Voilà. Voilà. On se fait des maisons par ici. Voilà. Ça fait de la désirabilité, mais pas tant que ça. Hein. J'ai l'impression. Un petit peu. Là, il y en a beaucoup parce qu'il y a l'église pas loin. Et il y aura le puits, quand il y aura le puits là, ça va booster le truc. On va y mettre des petites décos aussi. Genre un arbre. On va mettre un arbre à côté du puits. Hop. Et puis des petites fleurs. Des petites fleurs. Genre là. 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 Hop. Voilà. Comme ça, on aura des maisons qui vont se construire par là. Ce sera bien. Quoi là, il pourrait y avoir une maison qui se construit là. C'est dommage qu'on puisse pas vraiment dire construis-toi par là quoi. Construis-toi ici la maison. Ah, il y avait déjà un puits là. Dommage, là il pourrait y avoir une belle maison. Ou ça, j'y ferme comme ça. Hein. Ouais, allez, hop. Hop. Voilà. Mon marché il sera ici. On va laisser la place de deux étals là. Ou là, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on s'embête. Il y aura des étals le long du. Juste devant le pont là. Donc là, il y a des maisons qui sont construites déjà, c'est bien. Voilà, ça devrait ramener du monde déjà. Ici. Ok. Elle est toujours pas fini cette punaise de boulangerie là. Cette foutue boulangerie. Allez, bougez-vous. Bougez-vous. Et je repère de l'or de nouveau. Le charbon, ça produit doucement du charbon. Je peux signer des villageois si je veux, mais non, je ne veux pas. Surtout que je n'en ai pas. Bonheur 83, ça va. J'en ai quelques-uns qui manquent de nourriture et quelques-uns qui manquent
de... Oui, c'est eux qui manquent d'habitation. Mais ils sont pas contents parce que leur habitation est trop loin de leur lieu de travail en même temps, ça se comprend. Ils ont 12 km à faire à pied là, pour aller au boulot, pour aller taper dans les cailloux en plus, hein. Je les comprends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner ici. Ah oui, c'est ce que j'avais dit qu'il fallait que je fasse. Que je trouve mon bailli. Mon bailli qui est là-dedans, je crois. Bureau du bailli. Sectionner un mandat. Voilà, il faut que je prospecte ici. Là, je pense. Là, ça va être le mieux. Ici. Allez hop. Démarrer, tant pis, ça me coûte de l'or. Si je peux trouver une mine là, là, ce sera plus près. Construction terminée, marché. Ok, fantastique. Donc là, gardez mes troupes avec vous. Alors, les efforts de vos soldats ont été vains lors de la bataille. Alors, les efforts de vos soldats ont été vains lors de la bataille et inspiré certains de vos villageois. Ils souhaitent construire un chef-d'œuvre jardin médicinal afin d'honorer cette occasion. Effet bonus optionnel, la vitesse de rétablissement du soldat est augmentée par 2. Tous les éléments sont en bordure de rivière. Eh ben parfait. Chef-d'œuvre, jardin médicinal, ok. Et comment ça se construit ce truc? Faut que j'aille là-dedans, je suppose. Ah ouais, jardin médicinal. Oh c'est cool. Tous les aimants sont en bordure de rivière, 99%. Très bien, fantastique. Ah bah voilà, je vais construire un petit jardin là. Là, je vais avoir un petit parc ici. Ça va être sympa, vous allez voir. On va faire un petit peu de déco là. La triarchée, ça me coûte que dalle en plus du bois, un petit peu de bois. Donc là, on va faire une clôture en bois déjà, première chose. On va séparer le fort de mon petit jardinet. Hop, donc mon fort il va se fermer ici comme ça. Hop, hop. Oula, bah, alors pas du tout. Pas du tout. Hop là. Hop. 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 C'est dégueulasse. En plus, je suis pas aligné du tout, quoi. C'est vilain comme tout avec la pente. Ouais, je peux pas les monter. Non. Ah ouais, c'est moche comme tout, quoi. Ça le fait pas. Bon, on annule ça. Tant pis, on va faire le jardinet. Accessible depuis mon truc, là. Alors, eh ben, on va faire comme ça. On va dire que là... Il y a un petit truc comme ça. Clac. Là, on va remettre la petite barrière. Clac. Avec ça, ici, là. Hop, c'est sympathique. Voilà. Là, on va mettre une petite pergola. Non. Bon, on va mettre un petit peu de tout. Ça coûte quoi? Du bois, du bois, du bois, du bois. On a tout ce qu'il faut. On va faire un vrai petit jardin. Vous allez voir. Hop, comme si c'était un jardin public. Hop. Tchouk. Hop, on va faire un petit truc sympathique. J'ai décidé. Hop. On se lance dans un peu de déco. Hop. Ça me coûte pas d'or, ça, en plus, hein, on est d'accord. Ça va pas me coûter de l'or en plus. Non. Du bois et des planches, c'est tout.
Ok. Donc on est parti. Alors, des achillées et des choux qu'on va mettre ici. Hop. Alors attendez, il y a achillée et choux. Là, il y a achillée, donc on va mettre les achillées ici. On va mettre des choux ici. Ça, c'est des plantes touffues, on va les mettre ici. Clac, hop. Du chou, on en a déjà. Non, c'est de la sauge que j'ai mis. C'est de la sauge ou du chou, ça? Sauge. Chou. Chou, on va le mettre ici. Bon, bah, à côté, hein, comme ça. Clac. Hop. Voilà. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est. Tant pis, on va le mettre à côté. Très bien. Ensuite, un parterre de fleurs ronds, on va le mettre ici, comme ça. C'est stylé. Hop, de la sauge et de la menthe. Ça, un sauge et menthe, ouais. On va mettre ça par là. Pouf. Ok. On a des plantes grimpantes. On va peut-être servir des plantes grimpantes pour délimiter notre truc. Non? Je ne sais pas, peut-être bien. Ouais, peut-être qu'on aurait pu faire ça. Regardez, hop. Là, on met notre barrière ici. Qui est pas du tout terrible. Plutôt comme ça. Avec une plante grimpante. Là. Voilà. Et un autre bout de barrière ici. Ah, c'est pas ouf, mais bon. C'est mieux que rien. Ok. Une petite fontaine par là. Par ici. C'est mieux, je trouve. Boum. Bon, on va remettre des petits trucs comme ça, là, pour faire joli. Hop, pour faire vraiment un vrai jardin. Hop, ensuite. Là. Hop. Hop. Clac. Il va être stylé, notre petit jardin. Là, ça on va peut-être le décaler, on va voir là, parce que là, je vais peut-être mettre un autre truc comme ça. Truc comme ça là, voilà, ouais. Donc ça, on va le mettre plutôt en bordure de rivière là, avec la fontaine par là. Clac. Voilà. Ouais. Elle a une petite plante grimpante. Alors, on se tape un peu de déco, c'est sympa, ça change un peu de temps en temps. Dans les city builders. Voilà. Je trouve que là on est bien. Clac. Voilà. Bon, ça fait un peu le piquet là qui dépasse dans le vide, mais bon. On s'en fout, on a un petit jardin sympatoche qui va me coûter 115 de bois, 10 de planches et 10 de pierre polie. C'est parti! Hop là! Et qui en plus va me produire des trucs. Ok, le chef-d'œuvre c'est fait. Voilà! Bon, le poisson, les baies, oh là là! Le pain, je suis à zéro, oh la bouffe! Quel enfer. Quel enfer. Tout va bien, non. Un nouveau villageois. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va l'affecter? J'ai vraiment pas besoin de charbon pour le moment.
Ok, les brûleurs de charbon, on va les arrêter. On va aussi arrêter. La carrière de pierre. Ah non, j'ai besoin de pierre un peu. Pour plus tard. Je vais avoir besoin de pierre. Camp de bûcheron, j'en ai besoin. Le bois, j'en bouffe vachement. Mais j'en bouffe vachement pourquoi? Parce que j'ai construit la charbonnière. Peut-être que c'est lequel là de camp de bûcheron? Celui-là, on va le garder. Celui-là. Franchement, celui-ci. Il est loin de tout là. Pour le moment, on va le garder. On va juste désaffecter les bûcherons. Ok. Donc là, on a 4 personnes qui vont être sans emploi. Qu'on va pouvoir affecter. Alors, je vais reconstruire une cabane de pêcheurs. J'avais dit que je voulais faire. Cabane de pêcheurs. Bam. Oh, j'ai même pas cette pièce d'or. Oh! Pouf. Moins 68. Ok, oh là là. Oh là là. Ah oui, là j'ai pas de bouffe donc. J'ai pas de bouffe donc ça va pas le faire. Qu'est-ce que je peux commencer à vendre? Les vêtements. Ressources. Les vêtements. Je les vends au-delà de. On va dire 150. Ok. Ça me fera un peu d'argent. Oh, tout va bien. Non, tout va pas bien, non. Tout ne va pas bien. Ils construisent pas de nouvelles baraques là. Comment ça se fait? J'ai affecté ça. En plus, là, il y a du besoin. Très bien. Je comprends pas. 136 villageois. J'ai 42 serfs et 82 roturiers. Activer l'immigration. Oui. La condition de capacité. Ouais. Les récoltes de baies de blé sont diminuées de 50%. Oh. C'est pour ça que j'arrive pas à produire mon pain, mes trucs. Les récoltes de poissons sont augmentées par 20%. Ok. Donc il faut que je fasse du poisson. Ouais, d'accord. Allez. La maison ne s'est pas assez proche de mon lieu de travail. Il fait quoi lui? C'est quoi son lieu de travail? Ben oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Terminer la boulangerie. Allez, assigner. Voilà. Déjà, on va avoir deux boulangers de plus. Donc, on va pouvoir produire un peu plus de pain. Prioriser ça, même si ça avait l'air déjà d'être le cas. Allez, m'enlever tout le bois. Et oui, donc en fait, je produis des baies et du machin en moins là, vu qu'il y a la tempête. C'est pour ça que c'est la merde. Non, là, ils vont rentrer. J'espère qu'ils vont ramener un peu d'or. Ok. Ceux-là sont de retour de mission. Oui, je sais. On va tout de suite les renvoyer après. Ah, ça va être sympa ce petit jardin. Je suis bien content. C'est joli. Nouvelle mission militaire est disponible. Oh là, le budget, c'est un peu la merde, hein. Semaine dernière. Total moins 447. Pouf.
Revenu commercial, j'ai pas de revenu commercial quasiment. Là, c'est le revenu commercial qui va me sauver là. Je vais peut-être être dans le positif là. Taxe territoriale, c'est quoi ces taxes territoriales? Je ne sais pas. Dépenses. Je vais me renseigner sur ce que c'est que ces taxes territoriales parce que ça m'inquiète un peu. C'est des trucs sur le nombre de territoires que j'ai. Territoire. Ajoute à vos impôts royaux. Ah! Ah mais du coup j'ai pas besoin de tout ça moi. Y acheter ça me coûte de l'or. Je vais peut-être pas y acheter tout de suite en fait. Je pensais pas à ça. Ben oui. Ah non, ça faut que j'y garde annulé. Parce que là, je produis du blé sur ces trucs-là. Par contre, là, effectivement, je vais enlever mes per... je vais enlever mes. On va faire ça. Hop, hop, hop. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Hop. Je ne savais pas que j'avais des taxes là-dessus. Ah ouais, je vais me sentir mieux là, du coup. Là, j'ai peut-être pas besoin des deux non plus. Peut-être que celui-là, pour le moment, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus pour le moment. On verra plus tard. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Parce que là, du coup, ouais, lui, il produit là-dessus, lui aussi. Ok, donc là, je vais être beaucoup mieux, là, finalement, en or. Ça va remonter de nouveau, là. Budget. On va voir, mais à mon avis, ça va vachement baisser du coup. Alors, j'ai gagné beaucoup d'or, du pain, du fer, des outils. Ok. Je regarde pas le temps à chaque fois que je joue à ce jeu. Et du coup, j'en suis à 42 minutes là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. J'espère que là il va y avoir des maisons qui vont se construire. Ah oh, oui! Oh! Alléluia! Ok, bon. Donc là, la tempête est terminée. Je pense qu'on va un petit peu souffler. On va voir, hein. Je vais essayer de réaccumuler beaucoup de pain et de baies surtout. Je vais peut-être me reconstruire un grenier pour stocker d'avance. Oh mon petit jardin, il est trop beau. Trop classe. Trop classe. Ok. Donc voilà, sur ce, on verra la prochaine fois pour essayer de booster ma production de bouffe. Essayer d'augmenter. D'ailleurs, là, je peux peut-être assigner un villageois. Voilà, ça y est. Je pourrais peut-être augmenter mon nombre de cabanes de pêche et essayer de produire autre chose. Puisque maintenant, je peux produire normalement une hutte de chasse qui va me produire des sangliers. Je pense que mes chasseurs vont avoir besoin d'armes ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Du houblon. Armurerie. Bah la chasse apparemment je pourrais produire. Donc on va voir parce que là normalement mes villageois. Alors attendez, c'était où déjà? Voilà, il y a tellement de panneaux que je me souviens plus les trucs à chaque fois. Non, c'était pas ça. Y a pas un endroit où je peux voir ce qu'ils ont besoin comme nourriture. Du coup là j'ai dû faire des pêcheurs. Oui j'ai fait des sans emploi. On verra ça plus tard. Comment je ferme ce panneau? Là. Je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est qu'on voit. Je ne me rappelle pas. Oula, il y en a qui sont pas contents du tout là. Bonheur zéro. Pourquoi?
fait le bateau. Ah mais c'est le bailli. Ah ouais mais elle est jamais contente elle quand elle va en mission. Ouais lui eux ils ont besoin de bouffe. Besoin de bouffe, eh oui. Besoin de bouffe. Bon là ça devrait remonter. Bon allez. Oh tiens j'ai un nouveau truc là, chef d'œuvre. Ah oui d'accord. Déjà présent dans le jardin en bois. Ok. Très bien. Bon allez sur ce, je vous laisse. On continuera la prochaine fois. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao.